Bonjour, vous êtes toujours avec Raymond, service de presse, fnac.com, raymondazan.fr. Vous trouverez mes livres, Du berceau à la névrose, Miroir de femme, Vogel les psys, Le secret du surdoué et ne pas louper si vous êtes HP, Par-delà l'excellence. Voilà, service de presse est terminé. Si vous avez besoin de me joindre, hpihpe@gmail.com. Alors, vous m'avez tous demandé, Raymond, on veut des clés, Raymond, on veut des clés. Ben, je vous ai dessiné une belle clé. Enfin, il faut comprendre que c'est une clé, hein. Donc, je vais vous donner une clé. Des personnes m'appellent en me disant « Ah, Raymond !» Alors, moi, quand j'ai quelqu'un en consultation, marié, divorcé, quatre enfants, vous en êtes tous. C'est la première question que je pose. Marié. D'accord. Marié heureuse, c'est compliqué. Vos enfants, c'est compliqué. On comprend tout de suite que c'est compliqué. Ce mot « c'est compliqué », ça veut dire quoi? Et là, vous avez une clé, puisque vous voulez des clés. Alors, comme disait quelqu'un, Raymond, elle donne une clé à chacun. La clé pour l'un n'est pas la clé pour l'autre, évidemment. Mais ça, c'est une clé. Quand quelqu'un vous dit, oh là, avec ma mère, c'est compliqué. Oh, avec mon enfant, oh là, moi, j'ai une fille, c'est compliqué. Avec mon fils, ça va. Avec ma belle-fille, ça va. Avec, vous voyez, les gens, ils vous parlent comme ça. Et avec votre petit-fils, oh, c'est compliqué. Et avec votre tante, ah, c'est super facile. Mais c'est déjà un indicateur. Ça veut dire quoi, c'est compliqué? C'est compliqué, c'est le contraire de c'est fluide. C'est compliqué. Une relation compliquée, c'est le contraire d'une situation qui est fluide. À partir du moment où une situation, à partir du moment où vous êtes HP et qu'une conversation, un échange, amitié, amour, et mariage, concubinage, paxage, tout ça, à partir du moment où c'est pas fluide, vous dites c'est compliqué. C'est compliqué, ça veut dire tout simplement je suis HP, elle est normale pensante. Ou bien je suis normale pensante, dites-le comme vous voulez, hein, et elle est HP. C'est compliqué. Oh, il y a des parents qui m'appellent. Allô Raymond, je sais que vous occupez des enfants et des personnes HP enfants, c'est-à-dire adultes enfants HP, avec mes enfants. Franchement, c'est hyper compliqué. Voilà, c'est une belle clé, ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? La mienne est jolie? Oui, pas forcément. C'est une clé ancienne. Bon, voilà, donc une clé de coffre-fort, on dirait, non? Vous ne trouvez pas? J'ai jamais eu de coffre-fort. Donc c'est ça. C'est compliqué, ça veut dire je suis HP, il n'est pas HP. Je suis normale pensante, il est surdoué. C'est ça compliqué. Donc voilà une clé. Alors si j'ai d'autres clés, bah, je vous ferai un petit trousseau. Je vous embrasse, j'espère que ça peut vous aider. Les conséquences, oui, vous allez me dire, alors si c'est compliqué, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, franchement, quelqu'un qui est claustro, qui s'oblige à rentrer dans des endroits fermés toute la journée, c'est qu'il n'a rien compris. Hein. Donc moi, évidemment, je vais vous dire, moi, si c'est compliqué avec quelqu'un, au début, je restais. Je me creusais, j'essayais de comprendre, j'essayais d'être indulgente, j'essayais d'être bienveillante, j'excusais, je recommençais, je comprenais rien, je me faisais du mal. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, c'est bon, quoi, on va s'arrêter là. Hein. Et tu sais quoi, on va se quitter, hein. Ça va être beaucoup plus simple. Donc vous faites comme vous voulez, mais la clé que vous voulez, c'est celle-là. Le mot, c'est compliqué, il est HP, vous êtes NP, il est NP, vous êtes HP. Ça va aller? C'est compliqué, hein. Je vous embrasse. Défaites le nœud, vous allez y arriver. À bientôt pour d'autres clés. Bisous tout le monde.